Salut, c'est Mr. Genesis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du deuxième véhicule rajouté sur GTA Online cette semaine, donc qui est la Tampa Drift, que on peut trouver dans Voyage et Transport et dans Souterne Saint-Andréa Super Autos. Donc elle est ici, elle coûte 995 000, c'est une sportive aussi, il me semble, parce que je crois que... Alors c'est peut-être une grosse cylindrée, je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, pour une sportive ou une grosse cylindrée, c'est cher. C'est presque 1 million, c'est moins cher que l'autre que je vous ai présenté la dernière fois. Mais c'est assez cher quand même. Je l'ai déjà acheté, donc il y a 2 coloris. J'oublie pas de vous présenter le deuxième coloris, que personnellement je trouve moins beau. Mais celui-là est vraiment beau, celui-là je le trouve un peu vide, on va dire ça. Et elle est juste là. Alors on va se mettre en première personne. Regardez-moi ce véhicule. Et vous savez quoi, on va l'ouvrir tout simplement. Boum. Voilà. Alors, elle est juste magnifique. L'intérieur, il est repris de, je suppose, tous les intérieurs qu'on a eu, on a eu le droit d'avoir dans la... mise à jour casse-cou sur les voitures de course. Mais franchement, cette voiture est magnifique. Alors pour ceux qui savent pas, alors je pense avoir trouvé personnellement la voiture de laquelle elle se serait inspirée. Alors sachant que la Tampa, je vais vous la montrer. Sachant que la Tampa, qui est déjà de base dans le jeu, la Tampa, elle est là, voilà. Est déjà inspirée d'une Ford Mustang. Enfin, il me semble que c'est un truc dans le genre. J'ai cherché et j'ai trouvé franchement une voiture qui ressemblait presque trait pour trait. Donc je vais vous enlever pour vous faire la comparaison. Les... Voilà. Donc je vais vous le mettre en haut à droite. Ce serait la Ford Mustang Unicorn RTR. Donc je la mettrai en, en haut à droite pour que vous puissiez comparer. Je vais y arriver. Franchement, même au niveau du coloris, je trouve que des motifs, que c'est à peu près c'est ça. Franchement, peut-être un peu moins longue et peut-être moins basse aussi, mais elle est magnifique. Franchement, elle est super classe, elle drift super bien. Bon, en même temps, dans son nom il y a drift, donc il fallait s'attendre à ce qu'elle drift, tout simplement. Alors, il me semble avoir vu qu'elle avait pas mal de customisation aussi, donc j'espère pas être trop déçu. Alors, le blindage comme d'habitude, les freins comme d'habitude, le moteur comme d'habitude, non pas les explosifs. Éclairage, alors c'est une voiture sur laquelle on va pas mettre les xénons, on va mettre seulement sur les côtés, voilà. Motif, alors. Vous avez le motif ici. Alors en noir je la trouve plus jolie qu'en blanc au niveau de ce motif là. Mais je vais quand même rester sur celui-ci. Sinon vous avez le sans motif. Comme on a vu dans l'épisode précédent. Qu'elle avait le tout orange et le reste noir. Ça c'est bon. La plaque. On va les laisser blanches. Peinture. Alors. Il n'y a pas autant de customisation que je pensais. On va partir sur... On va pas partir sur du détaillé, je vais voir si... Oh, oh là là. Mais c'est qu'il y a... Ah, il y a des motifs dessous et tout. Oh, en rouge et pète. Je vais regarder ce qu'il y a. Ça, je l'ai pas, parce qu'il faudrait que je fasse des courses nautiques pour une fois. Je vais la laisser en rouge. Elle est magnifique en rouge. Et ces petits motifs là. Ah ouais, je les avais pas vus, comme c'était noir. Je les avais pas vus. Couleur secondaire, est-ce que je mets du classique pour changer un peu, ouais, pour donner un effet, ça donne un petit effet, on va faire ça, hop. Suspension, on la rebaisse encore plus qu'elle est déjà assez basse. Transmission, alors oui elle n'est pas customisable, elle est déjà customisée de base j'ai envie de dire, donc c'est pas un problème à ce niveau là, elle est magnifique hein. Je vais pas modifier les roues parce que regardez c'est des roues lisses à pneus lisses et elle est plus rapide quand elle a les pneus d'origine. C'est sûrement un bug mais toute façon, je trouverai pas des pneus similaires, donc les fumées de pneus, bah, on va mettre du rouge, voilà. Et c'est tout. Ah si, là, les fenêtres. Alors, c'est quoi les fenêtres? Ah, c'est la fenêtre arrière. Alors là, je vais mettre les limousines parce que fenêtre arrière, ça rend bien le noir comme ça. Et l'éclairage. Alors c'est très rapide, étant donné qu'il n'y a pas grand chose. On va en profiter pour la tester à l'aéroport après au niveau de la vitesse. Kit néon, couleur, et on va partir sur du... Ouh, attendez. Parce que le jaune, ça passe bien avec le jaune qu'on a ici. De chaque côté. Allez, on va mettre du jaune. Voilà. J'avoue que là, elle est magnifique. Magnifico. Ah ouais, elle est super. Et au soleil, elle est encore plus belle. Oh là 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 là. Je suis en extase. Et elle est vachement longue, par contre, je trouve. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas lésiné sur la longueur des véhicules dans ce DLC. Ah oui, je commence bien. Ouais, j'ai déjà pété la voiture. Enfin, c'est pas très grave. Ah, elle drifte super bien aussi. On va se mettre un peu en first person. Écoutez-moi ce bruit de moteur. Je sais pas si vous l'entendrez bien. Je sais pas si vous l'entendrez bien dans la vidéo. Mais elle a un super bon bruit. Allez, on va essayer pas de se planter en prenant le saut. Oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Boum. Et je l'ai raté, bon c'est pas grave. Je vais pouvoir la tester dans les drifts. Ah ouais, drift super bien. C'est trop beau. Ah je découvre là, parce que là il va pouvoir... Alors là je l'ai raté un peu. Je pense qu'il y a moyen de... J'espère que s'il y a une course pour cette voiture, ils ont bien profité de... du fait que cette voiture était une voiture qui drift. J'espère qu'ils l'ont fait. Une petite course casse-cou. Alors oui, il y a aussi, j'en ai pas parlé dans l'épisode précédent, mais 6 nouvelles courses casse-cou avec les 3 nouveaux véhicules. Et ça me fait encore plus de vidéos à faire. Étant donné que pour l'instant je n'ai fait que 6 des courses casse-cou en vidéo, hein, j'en ai quand même essayé d'autres. Ça m'en rajoute 6 à montrer. Et franchement ces courses casse-cou, moi je les ai adorées. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser sur ça. Si pour vous le véhicule que vous voyez ici n'est pas inspiré de la Ford Mustang, n'hésitez pas à me le dire et à me dire de quelle vidéo pour vous il serait inspiré. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. En tout cas c'est un beau monstre, on va dire ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À commenter et partager la vidéo. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.